une fin de match excitante. Jean-François Leblanc, la mise en jeu devant Anthony Richard. C'est Leblanc qui a gagné cause. La rondelle se retrouve du côté de Sidlick. Sidlick qui tente de pousser par la rampe. C'est récupéré par Hudon. Hudon là, qui est dans le coin. Oh! Et Skyler Spiller et Tommy Veilleux là, qui vont en venir au point. Spiller, un gars du Texas, un gars de Dallas qui s'en laisse pas imposer et qui est en train là, de brasser littéralement Veilleux. Il y a une petite différence de gabarit entre les deux. Là, Veilleux là, qui tente de se protéger du mieux qu'il peut, mais tente d'aller de droite, mais c'est plutôt Spiller là, qui le frappe à qui mieux. Autre droite de Spiller et Veilleux qui tente de revenir, mais qui dont les coups ne portent pas. Et Spiller là, oh, tentative de droite bien bloquée. Et là, c'est Spiller qui va de la gauche, là, qui est en train de donner une leçon là, aux joueurs des Tigres. Et finalement, qui le jette sur la glace, au grand plaisir des quelques 2000 spectateurs qui sont présents ce soir au centre Air Québec. En voilà un qui va se faire des fans au cours et qui est félicité là, par son coéquipier Jeremy Fraser. Donc, il dit que ce sont cherchés noirs.